Madame, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Canal 2 International. Bienvenue à cette autre édition du débrief de l'actualité. Le débrief de l'actualité, c'est naturellement les lundis et les vendredis en ce qui concerne le sport sur le plan national et même international. Entre mardi, mercredi et jeudi justement, vous avez rendez-vous avec Lille, Piedjou et Janice Kanga du côté de Yaoundé. Mais ce vendredi, justement, nous évoquerons dans un instant la prochaine période de FIFA. On nous annonce l'Ouzbékistan et la Corée du Sud comme sparring partner des Lions indomptables du Cameroun. On en parle avec nos invités. Dans un instant, on évoquera également justement cette période FIFA qui, justement, pourrait être présent dans la tanière alors que les championnats ont progressivement démarré et que nos Lions ne jouent pas beaucoup en club. Doit-on assister à un turnover lors de la prochaine période de FIFA? Est-ce qu'on doit rester dans la logique de rester avec ce groupe qui a qualifié l'équipe nationale du Cameroun pour la phase finale de la Coupe du Monde qui arrivera au Qatar dans quelques mois? Là est la grande interrogation. On évoquera également le Tchoukball. On ira à la découverte justement du Tchoukball. Quelle est cette discipline? Comment se passe la vulgarisation justement au Cameroun? On en parle avec nos invités et on évoquera pour sortir l'actualité autour de la Dynamo Football Club de Douala. Au gré Chico, Yetna n'est plus présidente de la Dynamo sportive de Douala. Elle a été démise de ses fonctions par le comité des sages de la Dynamo de Douala qui apporte aux affaires Maître Bateki. On en parle dans cette autre édition du débrief de l'actualité. Transition, on accueille ceux qui nous accompagnent ce soir. Madame, monsieur, merci de nous regarder. On accueille Franck Eric Ndifo, qui est le directeur des publications du journal en ligne Sport Vibe. Franck, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Tu vas bien? Je vais super. Comment se porte le projet Sport Vibe? Le projet Sport Vibe va plutôt bien. Tout se passe au mieux pour le moment. C'est vrai qu'on a fait un très joli mois de juillet du côté du Maroc avec la CAN féminine. Ouais. Sur Canal 2 également, on en a parlé. Ouais. Revenu, on est rentré dans le train-train quotidien avec l'actualité sportive camerounaise de tous les jours. Notamment, vous m'avez sorti, je peux le dire ainsi, vous m'avez sorti de la salle des travaux du comité exécutif de la Fédération Camerounaise de football depuis 9h ce matin ici dans la ville de Douala. On aurait aimé avoir la lecture du communiqué final avant de partir, mais pour les respects de la parole donnée, de la parole que je vous ai donnée. Je me devais d'être ici, même si en partant, le président de la FECAFO, Samuel Eto'o, s'apprêtait à lire effectivement ce communiqué final. Résolution. Ces résolutions. Justement. Résolution des travaux du comité exécutif en marge de l'Assemblée générale de cette fédération qui aura lieu demain, toujours ici à Douala. Merci infiniment, Franck Eric Ndifo, d'avoir favorablement répondu à notre invitation. Autre invité, justement, ce soir, Aounon Tabekou Jean-Paul. Il est entraîneur, joueur et coach coach national de Tchoukball. Qu'est-ce qu'on dit? Bonsoir coach, bonsoir président. Comment vous qualifiez ce soir? Bonsoir et très ravi d'être invité sur les plateaux de Canal 2 et surtout un grand honneur que vous accordez au Tchoukball. Avec vous, justement, on parlera du Tchoukball. On demande à la question de savoir c'est quoi le Tchoukball. Vous répondrez dans un instant. Mais Franck Eric Ndifo, on commence par la prochaine période de FIFA qui aura lieu dans les cours du 20 septembre. Et une question qui se pose depuis quelques jours, c'est que les Lions indomptables du Cameroun, quel est le sparring partner? Quels sont les sparring partners, justement, des Lions indomptables du Cameroun? Ce matin, on a eu une information autour de l'Ouzbékistan et de la Corée du Sud. C'est une information que vous avez traitée, Franck? On ne l'a peut-être pas traitée sur le site de Sport Vibes, ouais, mais on a l'information. On l'a d'ailleurs vérifiée, elle est confirmée, le Cameroun qui jouera au mois de septembre contre l'Ouzbékistan et contre la Corée du Sud. Je pense que c'est deux bons matchs tests, ouais, pour le Cameroun. Contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, c'est deux bons matchs tests pour l'équipe nationale du Cameroun de Rigobertson qui prépare effectivement cette Coupe du Monde. C'est vrai que beaucoup se serait attendu à ce que le Cameroun affronte la France, l'Angleterre, Mais là, ils sont en pleine Ligue des Nations. Il y a la Ligue des Nations qui se joue. Il y a que ce n'est pas toujours évident. On se souvient que normalement, le Cameroun devrait à cette période être en train de jouer les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc le Cameroun était tourné résolument vers ces éliminatoires-là. À la dernière minute, il y a eu ce calendrier de la CAF qui a été modifié. Il y a que ce n'est pas toujours évident d'aller chercher un adversaire de gros calibre dans les matchs amicaux, parce que le calendrier sur l'année est quasiment arrêté. Il est difficile d'aller le faire bouger. Les gens devraient au moins se comprendre ça. Et se dire que si on réussit, au-delà de cette période où on ne jouera malheureusement pas les éliminatoires de la CAN, à avoir deux équipes qui ne sont pas... L'Ouzbékistan n'est pas 150e mondial. L'Ouzbékistan est 83e mondial. C'est pas comme si c'était... des pieds plats qu'on allait jouer, non. L'Ouzbékistan a tout de même des joueurs, des footballeurs qui évoluent dans des grands championnats. Smournov, par exemple, qui joue à l'AS Roma. Ce sont des joueurs de qualité. Après 83e mondial, on va jouer la Corée du Sud, qui est 28e mondial. Si on simplifiait également la Corée du Sud en match de préparation à l'approche d'une Coupe du Monde, c'est qu'on ne connaît pas le football. On connaît tout de même qu'il y a la Corée du Sud. La Corée du Sud a été demi-finaliste d'une Coupe du Monde. La Corée du Sud, je ne vais pas dire marche, mais il est une très grosse nation du côté de l'Asie en parlant de football. 28e mondial, mieux classé même déjà que le Cameroun. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Il faudrait simplement encourager le projet qui est mis en place à la Fédération Camerounaise de football concernant les Lions indomptables, et surtout accompagner le travail que fait aujourd'hui le président de la Fédération Camerounaise de football. Et tout n'est pas toujours blanc, tout n'est pas toujours rose. Il y a peut-être du noir ou alors du sombre, mais il ne faudrait pas se dire que tout est noir à la Fédération Camerounaise de football. Je pense qu'ils font avec les moyens qu'ils ont, avec ce qu'ils peuvent, pour offrir la meilleure des préparations possibles au Cameroun. Après, critiquer cette préparation-là, pour moi, c'est un souci. Quand on sait que le président de la FECAFO, depuis son arrivée à la tête de la Fédération Camerounaise de football, est en train de tout faire pour relever au moins nos sélections nationales et même le football camerounais tout entier. On évoque l'actualité justement dans la sélection nationale. Avec cette question, on va essayer justement de voir l'état de forme des uns et des autres avant la prochaine période de FIFA. Les championnats professionnels ont débuté il y a de cela quelques temps, voire un mois par là. Logiquement, chaque footballeur a déjà au moins disputé 4 matchs au-delà justement des matchs amicaux ou des matchs de pré-saison. Franck Eric Ndifo, je veux qu'on essaye de faire le squelette de cette équipe que par avoir Rigobert Sombana. Commençons par les gardiens, par le poste des gardiens de but. On sait qu'il y a deux certitudes. André Onana et Passy. Ouais. On imagine qu'avec le quota revu par la Fédération Internationale de Football Association, qui est un peu au-delà de 23 joueurs, on va se retrouver à 26 joueurs. Ça veut dire qu'on peut avoir un ou deux gardiens de but. Maintenant, qui vous mettez derrière et Passy et André Onana? Qui je mets personnellement derrière et Passy André Onana, je garderai également Moussola, qui est un joueur d'avenir dans cette sélection nationale du Cameroun. Très jeune gardien, mais avec beaucoup de qualité, qui actuellement fait les beaux jours de l'AS Vita. On se souvient qu'il est actuellement en discussion parce qu'il ne veut pas prolonger du côté de l'AS Vita. Je ne sais pas si ça a déjà été fait. Il a des propositions en Europe au Moussola. Après, il y a une carte à jouer entre Fabrice Ondoa, l'éternelle question Fabrice Ondoa qui revient. C'est vrai qu'il a commencé la saison, il joue plutôt bien en club, il a joué beaucoup de matchs. Mais après, vous savez, nous militons aussi personnellement pour le championnat local. Et je pense qu'on a quand même vu quelque chose sur le plan local à la fin de la saison dernière. Il y a eu des choses. La saison va reprendre très bientôt. Des gardiens vont certainement... sortir. C'est vrai qu'il y a quelques qui sortent déjà de ce lot-là. On avait Derrick Kagné qui malheureusement est parti de Coton Sport de Garoua, champion du Cameroun avec Coton Sport de Garoua, qui est parti. Vous avez Patrick Kylian de Bamtos de Bouddha qui réalise plutôt une belle saison avec sa formation. Il a quasiment qualifié cette équipe-là pour la finale de la Coupe du Cameroun. Après, vous pouvez avoir entre autres le portier Souleymane de Edin qui est retourné à la Colombe du Sud, même si après, parlant de Souleymane, c'est pas Un joueur de foot, c'est pas toujours les performances sur le terrain. C'est un joueur qui en dehors des stades n'est pas toujours très ordonné, n'est pas toujours très bon pour la vie d'un groupe. Donc, malheureusement, c'est peut-être ça le couac avec Souleymane. On se rappelle d'ailleurs son carton rouge avec Edine lors de ses barrages face à Coton Sport de Garoua. C'est un tout petit peu le reflet même de ce qu'est ce jeune gardien. Donc entre Fabrice Ondoa et quelques gardiens locaux, il faudra voir, il faudra aller chercher. Ce sera Rigobert Song et ses adjoints de chercher un gardien de but. Je veux qu'on reste quand même sur Fabrice Ondoa parce que vous avez tantôt dit que c'est une énigme. Là, rappelez-vous justement, il y a eu un post cette semaine de Nana Paul Sabin que tout le monde connaît très bien, ouais, qui est le rédacteur en chef, le chef service des sports d'une chaîne de télé consoeur, qui a affirmé justement qu'il y a-t-il un problème, Fabrice Ondoa, au sein de l'équipe nationale du Cameroun? La question, on peut la poser encore? La question, on peut la poser. Après, Fabrice Ondoa, quand beaucoup estiment que Fabrice ne jouait pas en club et ne pouvait plus rejoindre la tanière, pour moi, le prétexte, il est fallacieux. Il est faux. Lorsque Fabrice Ondoa vient remporter la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, très peu de personnes peuvent vous dire où jouait Fabrice Ondoa, combien de matchs il avait joué. Il avait à peine joué. Pourtant, il avait de belles prestations. Après, vous me direz, 2017, c'est pas 2022. Entre-temps, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Il s'est essayé ici et là. Aujourd'hui, il a quand même du temps de jeu par rapport à ce qu'il avait avant. Donc, actuellement, je pense que ça, c'est une énigme. On peut se poser la question. Après, j'ai pas envie de rentrer dans des débats qui n'aident pas cette sélection parce que si on pousse la question trop loin, on reviendra à un problème André Onana, Fabrice Ondoa. Et je pense que c'est une question qu'il faut très vite écarter de la sélection nationale pour permettre à cette équipe de se préparer au mieux. L'entraîneur, après, est le seul patron de l'équipe, à lui de faire ses choix. Et en ce qui concerne justement le poste de défenseur central, on sait qu'on a deux ou trois certitudes. On a Jean-Charles Castelletto, on a Michael Gadeux. C'est les deux qui ont joué durant la Coupe d'Afrique des Nations de football. On a Harold Moukoudi qui était présent mais qui désormais est en train de déchanter. Il a peut-être retrouvé un club, il est parti de Saint-Étienne. Mais dans la hiérarchie, à qui vous donnez le reste de place? Dans la hiérarchie aujourd'hui, c'est... Gadeux est un patron aujourd'hui de cette ligne défensive, mais Castelletto... Naturellement, il y a Castelletto également. Il ne discute plus avec personne. Après, derrière, il y a une jeune génération qui arrive. Une jeune génération peut-être de constituer des joueurs comme Omar Gonzalez. Mais à côté, il y a une autre question qui peut être soulevée. Est-ce qu'il y a, tout comme avec Fabrice Ondoa, est-ce qu'il y a un problème Jérôme Onguene dans la tanière? Parce que Jérôme Onguene aujourd'hui est l'un des meilleurs joueurs sur le plan défensif de l'équipe nationale du Cameroun. Il est passé à l'Entrac Francfort durant l'intersaison. Après, il joue peu. C'est vrai, on espère avec la Ligue des Champions qu'on pourra le voir deux ou trois fois et peut-être son retour. Si aujourd'hui revient, la question sur la présence d'un gars de Onguene peut se poser. Parce qu'après Castelletto, actuellement, de ce qu'on sait de lui, de ce qu'on voit d'ailleurs de lui, il est quasiment un titulaire indiscutable. Derrière, vous avez des jeunes défenseurs, on l'a dit, Omar Gonzalez qui frappe fort à la porte des Lions indomptables du Cameroun. C'est vrai que beaucoup, on aurait aimé que Mathieu... Maintenant, il y a justement le cas Mathieu qui cause problème. Mais si on vous demandait votre appréciation sur un gars comme Justin Diawa-Chioconte qui évolue avec la formation du Steaua Bucarest. Et parlant justement de Justin Diawa-Chioconte, ils se sont qualifiés, je ne sais pas si on aura les images, à l'antenne. Justin Diawa-Chioconte qui s'est qualifié avec le Steaua Bucarest hier et ils ont été tirés au sort. Le tirage au sort a eu lieu cet après-midi. Et pour la petite information, c'est West Ham, du moins il y a West Ham, il y a également nos amis du Steaua Bucarest. C'est une poule de la mort puisqu'il y a Anderlecht, on va le dire, Anderlecht, il y a West Ham et il y a Skedembu, qui sont tous dans la poule de l'ancien défenseur de Mariupol, sur le cas Joachim Dawa Tchakonté. En attendant d'avoir les images, j'attendrai, tout comme vous, tout comme nos téléspectateurs attendent d'avoir les images de Joachim Dawa, j'attendrai moi d'être convaincu par ce défenseur qui pour le moment, personnellement, ne m'a encore rien montré de bon. Il est quelquefois passé dans la tanière. On se rappelle, Joachim Dawa, il était... mal utilisé en tant que latéral droit. Ouais, pourtant, il est défenseur de métier. Il est peut-être défenseur de métier. À sa décharge. À sa décharge, peut-être. On l'a vu durant la CAN 2019 en Égypte. Ça n'a pas été trop ça. Il avait été relégué sur la touche et plus tard, il n'a plus jamais été appelé. Toutes le président de l'AfricaFoot disait aucune personne n'est sûre, il n'y a pas de sûr. Tout le monde a sa place encore à jouer dans cette équipe. Joachim Dawa devra utiliser c'est l'Europa League pour convaincre, parce qu'après son championnat n'est pas forcément très regardé, mais on sait que le sélectionneur Rigobertson a un œil sur quasiment tous ces joueurs-là. On ose croire qu'il profitera de cette occasion, parce que ce n'est pas tous les footballeurs camerounais qui ont la chance de jouer les compétitions intercontinentales européennes. Il a là une très grosse chance de se montrer aux yeux des Camerounais. Vivement qu'il nous montre qu'il a sa place pour le mondial. Et on parlait tantôt de Joachim Dawa Tchakonté. On rappelle justement pour ceux qui suivent son actualité que dans la sous-poule de Joachim Dawa Tchakonté avec le Steaua Bucarest, on a West Ham, on a Anderlecht et on a Skellenburg. Justement, c'est le troisième club qu'on cherchait. Et Joachim Dawa Tchakonté va à nouveau goûter aux délices de la compétition européenne. Et on va rester sur les postes d'arrière-droit et arrière-gauche. On sait qu'à gauche, il y a peut-être Yongo, qui est encore présent, mais on a surtout Nouhou Tolo. À droite, on a Mbaizo et on va dire quoi, Fai Collins. Mbaizo qui malheureusement, on n'a rien contre lui, n'a pas encore son match référence au sein de l'équipe nationale du Cameroun. C'est des places qui sont au pouvoir. À ces postes d'arrière latéraux, je crois que la grosse déception, c'est Olivier Mbaizo. Malheureusement, il faut pouvoir le dire, c'est un joueur qu'on a beaucoup aimé ici à l'Union Sportive de Douala, même avec les Lions U20. Mais aujourd'hui, Olivier Mbaizo, c'est pas trop ça. La place lui avait été laissée parce qu'on avait relégué quasiment Fai au calendrier grec. Ils n'ont pas pu effacer Fai, il est revenu de fort belle manière durant les éliminatoires et surtout durant la CAN, la récente CAN. À droite, on parle peut-être de Mbaizo, on parle de Fai Collins. On parlera de Mbaizo. Moi, je parlerai de Tchato, le jeune Enzo Tchato de Montpellier qui est en train de... C'est pas juste. C'est pas juste. Pour ma part, c'est pas juste. Vous avez Olivier Mbaizo qui a un championnat qui ne joue pas depuis, déjà. Ça, il faut le préciser. Vous avez le jeune Enzo. Vous avez Enzo Tchato qui joue quasiment tous les week-ends désormais avec Montpellier. Le dernier match, il n'était pas titulaire. Il a fait une belle entrée. Il a été buteur face au Paris Saint-Germain. Tous les footballeurs qui peuvent se taguer du fait d'avoir débuté leur carrière professionnelle avec un but contre le Paris Saint-Germain. Ouais. Il l'a fait. On a vu un très beau match d'ailleurs de sa part face au Paris Saint-Germain. Ça, c'est pour ce qui est à droite. C'est vrai qu'après, on n'oublie pas des garçons comme Sacha Boé qui peuvent encore rallier cette sélection. À gauche, vous avez Nouhou Tolo. Oui, Nouhou Tolo, il a convaincu le cœur des Camerounais, même si après, dans le jeu, c'est pas trop ça. Ça, il faut également le préciser. Il met de l'envie, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Il met de l'envie, mais il y a de la qualité qui manque encore au jeu de Nouhou Tolo. Pourtant, l'envie est le cœur de Lyon. Ce qu'on recherche, effectivement, le Hemley est là. Mais après, le football a beaucoup évolué, il faut de la qualité. Vous parlez peut-être d'Ambroise Oyongo-Bitèle, qui est, excusez un petit peu le terme, au chômage. Ouais, c'est vrai qu'il est sans club. Il est sans club depuis son départ de Montpellier. Vous avez un autre jeune qui est en train de venir, qui a signé à Lorient. Lui également n'a pas encore joué. Zidane Yongwa. Justement, on allait y en parler avec les images que nous proposera la réalisation. Yongwa qui vient de signer avec le FC Lorient. Je pense que en ce garçon, vous avez ce qu'on appelle l'avenir d'une sélection nationale. C'est un garçon qu'il faudra... Au poste d'arrière-droit, au poste d'arrière-gauche. D'arrière-gauche. On a peut-être parlé d'Ambroise Oyongo-Bitèle qui est sortant, Nouhou Tolo qui actuellement tient sa place, mais après Nouhou Tolo, on va peut-être parler de Enzo Ebossé, sauf que le jeune Yongwa, c'est l'avenir de cette équipe. Il a encore peut-être la chance de faire ses preuves avec l'équipe de moins de 23 ans, l'équipe olympique qui rentrera d'ailleurs également en éliminatoire de la CAN dans quelques temps. Donc ce sera peut-être un palier pour le jeune Darlin Yongwa. Mais je peux vous assurer, pour avoir vu ce garçon jouer sur les deux dernières saisons du côté de Niort, où il a fait des saisons pleines avec des passes décisives, c'est quasiment... Je suis sous le charme. Je suis sous le charme de ce jeune défenseur de 22 ans, formé à l'école de football brasserie du Cameroun ici, qui est parti du côté de Niort et qui actuellement a fait beaucoup parler de lui sur le marché des transferts, mais il a préféré le projet de Lorient parce qu'il estime que il estimait certainement, pour y avoir signé 5 ans, que c'était un projet qui lui sied bien. Il aura le temps de jouer, le temps d'évoluer et de se faire connaître du public camerounais. J'appelle d'ailleurs beaucoup à retenir ce nom, Darlin Zidane Yongwa, arrière-gauche du FC Lorient. Peut-être d'ici quelques jours, il fera ses premiers pas en Ligue 1. qui avait eu beaucoup de sollicitations. On rappelle justement qu'en ce qui concerne le cas Yongwa, il y avait Rennes, il y avait Lorient, il y avait Strasbourg, il y avait beaucoup d'offres, mais il a décidé de partir et de s'engager avec Lorient parce que là, il y avait des garanties de jeu, peut-être pas cette saison, mais sur l'avenir. Oui, peut-être pas sur cette saison parce que comme arrière-gauche à Lorient, vous avez Vincent Le Goff qui a quasiment 34 ans, qui est partant, qui va bientôt céder la place et qui sera là pour prendre la place, ce sera Darlene Zidane Yongwa. Je pense que c'est tout cela que le gamin a vu et il s'est dit, c'est peut-être pour moi une grosse chance aujourd'hui de faire mes preuves en Ligue 1. On a beaucoup parlé de lui lorsqu'il était en Ligue 2 à Niort, aujourd'hui il est en Ligue 1. On ne demande qu'à le voir jouer et maintenant après ce sera à lui de confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Il suffit de 2-3 matchs, vous pouvez changer la vie d'un sélectionneur parce qu'après on sait que le mondial viendra, il faudra des garçons de qualité, il faudra peut-être aussi des joueurs d'expérience et surtout, mais d'abord de la qualité. Avant de parler de la Dynamo de Douala, on va sortir avec le milieu de terrain et l'attaque. On sait qu'au milieu de terrain, on a, on va dire quoi, la triplette qui a joué la Coupe d'Afrique des Nations de football, Zambo Anguissa, Martin Onla et Oumbouet. Ça, ce sont les cadres. C'est vrai que ça propose beaucoup à ce poste. En attaque, il y a Kaltoko Ekambi, Aboubaka et naturellement Mominga Maleu. Mais attention, il y a Abraham Bemo qui est là. Vous avez tout fait d'enterrer Choupo-Moting. Bon, au milieu de terrain, ce sera encore plus compliqué. Je reste sur l'équipe qu'on a vue durant la Coupe d'Afrique. L'équipe qu'on a vue durant la Coupe d'Afrique et même durant les éliminatoires, je pense que le transfert qui se fait sur les dernières heures va peut-être changer également quelque chose dans la tanière des Lions indomptables parce qu'on sait qu'à la base c'était beaucoup plus Umguet avec devant lui Zambo Anguissa et Martin Onla, mais vous avez Jean Onana qui est en train de passer de Bordeaux pour le Milan AC. On attend que ce soit officiel, mais ça va se faire dans les... il sera présenté il va signer dans les prochaines heures. Jean Onana, on l'appelle surtout pour venir remplacer un certain Franck Kessié au milieu du terrain. Vous comprenez que c'est un joueur que le Milan AC, comme son entraîneur le disait d'ailleurs, a pris beaucoup de temps pour observer. Et il pense qu'il viendra pour jouer à... Il était également sur les tablettes de Monaco. Il était sur les tablettes de Monaco, effectivement. Donc, il pourra venir un tout petit peu poser un problème dans la hiérarchie. Mais dans ce milieu de terrain, on sait que Choupo-Moting a très souvent été utilisé comme meneur de jeu ou alors sur le côté, ce qui nous amène à parler des attaquants. Là, ce sera chaud. Ce sera compliqué parce que... C'est où il y a le plus de monde. C'est où il y a le plus de monde. Il y a tellement de propositions. Vous avez Vincent Boubacar qui est le capitaine, mais qui, admettons-le, est contesté. Est sur une chute descendante, est sur la fin de carrière, est sur sa fin de carrière. Vous avez peut-être Mominga Maleu sur le côté, Karl Toko Ekambi, qui actuellement pour moi est le meilleur footballeur camerounais dans ce 11 des Lions indomptables. Qu'est-ce qu'on fait de Brian Bemo? Attention, vous avez Brian Bemo qui ne va pas attendre. Arrive, qui ne vient pas dans la sélection du Cameroun pour intégrer la sélection, qui vient dans la sélection du Cameroun pour intégrer le 11 entrant, le 11 de départ de cette équipe. C'est dire... il faudra lui faire de la place. Il faudra véritablement faire de la place à ce garçon qui, sur les deux dernières saisons, est en train de faire beaucoup de bonnes choses. On a vu ce but de Brian Bemo avec Brentford face à Manchester United. Il y avait tout dans ce jeu de Brian Bemo. Il y avait de la vitesse, il y avait le calme, il y avait la précision pour placer ce ballon au fond des filets. Après, vous avez d'autres personnes qui se proposent. Vous avez le jeune Ignatius Ganago qui est en train de se proposer. Et permettez-moi de le dire, vous avez Christian Bassogok qui veut un retour en sélection. Buteur encore aujourd'hui, Christian Bassogok, pour la victoire de son club. 2-0. Christian Bassogok a marqué cet après-midi avec le Shanghai chinois. Il est quasiment titulaire. Je pense que sur les 4 derniers mois, Christian Bassogok est le footballeur camerounais qui a joué le plus de matchs en club parce qu'il est titulaire. Son club est, je crois, à 12 matchs. Christian Bassogok, c'est 11 titularisations sur 12. 3 buts et 4 passes décisives. Un attaquant pareil, il frappera de nouveau à la porte de la tanière des Lions indomptables du Cameroun. C'est clair que Rigobertson aura du grand monde. Ce sera à lui maintenant de choisir déjà les meilleurs joueurs pour amener. Mais après... mais il y a le jeune Ebobissé qui évolue du côté de San José, qui a 14 buts. On ne parle pas beaucoup. C'est le meilleur buteur camerounais en ce moment. On ne parle pas beaucoup de Ebobissé. Il vient également il va prétendre à une place. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est suivi. Il est suivi. Ebobissé. On a peut-être tout fait en parlant de Vincent Boubacar à la pointe de cette attaque. Oubliez Léandre Tawamba. Ça amènera un peu plus de... Léandre Tawamba. Oui, ok. À ce poste, je pense que Rigobert Sombanak devra avoir beaucoup de soucis. Mais après... chaque joueur devra s'offrir tous les moyens nécessaires pour être gardé, c'est-à-dire être performant sur le terrain. Performant pour un attaquant, c'est marquer des buts ou faire des passes décisives. Ouais. Il n'y a rien d'autre à expliquer. La seule performance pour un attaquant, c'est de marquer ou de faire marquer. Brian Mbeumo, aujourd'hui, peut être un gros problème. Pourquoi? Il peut être un problème et une solution. Brian Mbeumo peut jouer à tous les postes sur les fronts de l'attaque. Ouais. Il peut jouer milieu de couloir, il peut jouer avant-centre et il peut même jouer comme meneur de jeu dans le milieu des terrains. Donc, avec lui déjà, Rigobert sont à plusieurs options. Mais après, avec d'autres joueurs qui... Vincent Boubaka aujourd'hui, en dehors de la pointe d'attaque, ne peut être utilisé nulle part. Léandre Tawamba, pareil. Il n'y a que des joueurs comme Karl Toko Ekambi qui peuvent encore être utilisés à la pointe ou sur les couloirs. Donc, vous comprenez que c'est une équipe du Cameroun qui a de la matière. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, c'est une équipe du Cameroun qui a beaucoup de matière. Mais après, il faudra véritablement faire avec les meilleurs. Non, on l'a dit, offensivement, c'est compliqué. Si on va encore chercher des jeunes comme Moukoko, vous comprenez que ce sera compliqué. Mais après, je n'ai pas envie qu'on rêve beaucoup des garçons comme Moukoko pour une Coupe du Monde avec les Lions indomptables du Cameroun. Je ne pense pas trop. Je ne vois pas trop le jeune Moukoko de Dortmund avec l'équipe nationale du Cameroun dans une Coupe du Monde. Pourtant, tout le monde espère. Non, on espère parce que c'est... Je dirais... à un niveau de la mauvaise communication, Moukoko, il est encore très jeune. C'est vrai qu'on a vu on me dira qu'on a vu des Kylian Mbappé jouer à cet âge-là en sélection nationale. Sauf qu'ils n'ont pas le temps de passage n'est pas pareil. Ouais. Quand on parle de Kylian Mbappé, on connaît ses temps de passage à Monaco, au Paris Saint-Germain ou encore en équipe de France. Moukoko, c'est pas encore ça. Il n'a même pas encore une véritable place de titulaire à Dortmund. Donc après, c'est compliqué. Monsieur, on parle de la Dynamo de Douala. Dans un instant, on a le bonheur d'avoir été rejoint par Bernard Malabo, qui est le directeur sportif de la Dynamo de Douala, fraction Ogré Chico. C'est comme ça qu'on vous présente, monsieur, bonsoir. Fraction, c'est trop dire. Dynamo n'a pas de fraction. Plus que vous faites parler... Vous savez quand même que Ogré Chico a été démis de ses fonctions de président de la Dynamo. Non, pas le comité de sages. Démis. Ils ont prétendu suspendre. Mais il n'avait pas qualité de suspendre. Donc, Audrey reste et demeure présidente. On en parle dans un instant. Okay. Permettez qu'on accueille Léon Rézier qui nous a rejoint. Léon, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International vers qui je présente mes excuses pour le gros retard. On n'a pas dit léger. Pour votre boubou, on vous accorde ça. Merci Mathieu. Mais si on parle des Lions indomptables, on vous donne 60 secondes pour évoquer cette actualité. Pour vous, lesquels joueurs, justement, peuvent être considérés comme joueurs, comme des révélations qui peuvent toquer à la porte au sein de la sélection nationale, sur le début de saison qu'on voit en ce moment? Bon, je pense que j'ai trouvé mon confrère Franck Eric Ndifo en train de développer sur beaucoup de joueurs dont on parle en ce début de saison. C'est aussi vrai qu'on ne va pas sélectionner des joueurs sur un début de saison. Je pense que Rigobert Song, bien qu'il ait pris une équipe déjà forgée par Antonio Conceição, va quand même rester un peu sur des actifs, sur des choses qu'il maîtrise un peu au lieu d'aller en aventure avec certains. C'est vrai qu'on a parlé de Brian Mbeumo, mais Brian Mbeumo ne vient pas en aventure en équipe du Cameroun. Il vient avec un statut. Il vient avec un statut, véritablement. On le voit tous les week-ends en Première Ligue. Je ne pense pas qu'un joueur... moyen puisse jouer en Première Ligue tous les dimanches. On a vu son match face à Manchester United. C'est une grosse recrue qu'on vient d'avoir, surtout dans un secteur offensif qui était pauvre en créativité, où on avait les mêmes schémas tactiques. Maintenant, Brian Mbeumo va certainement apporter quelque chose de différent. En dehors de Brian Mbeumo, je pense qu'on avait des touches en défense où on espérait avoir d'autres touches que la charnière gagne. Quand on voit la fin de saison de Moukoudi et son début de saison, on se dit véritablement qu'on ne devrait plus véritablement compter sur ces charnières-là. Il va falloir aller chercher d'autres jeunes. Mais quels sont ces jeunes-là? Je pense que les prochaines rencontres vont nous permettre de voir. On ne va pas jouer le rôle de Rigobert Song, mais toujours est-il que on a déjà quand même un socle. On ne s'est pas qualifié avec des juniors, on s'est qualifié avec des joueurs qui sont encore compétitifs. Donc on va faire avec, je pense, un gros... Je pense que l'équipe qui est sortie troisième de la CAN au Cameroun aura peut-être 90% de ces gens-là qui seront au mondial. On peut encore ajouter, j'ai entendu citer plusieurs secteurs, je n'ai pas entendu de gardien de but, mais je pense que le début de saison de Fabrice Ondoa peut permettre à ce que on repense à celui-là qui nous a fait rêver en 2017. C'est vrai que certains disent que 2017 est derrière nous, mais je pense que c'était un gardien qui est performant en club, qui joue ce qu'on lui avait reproché pendant la CAN. Maintenant, il joue avec son club en Lettonie. Il est même décisif. Il est dans le 11 de son championnat à toutes les journées. Ça veut dire que ce ne serait pas un abus que de l'appeler en tant que gardien remplaçant, parce qu'on sait déjà que dans cette hiérarchie, il y a André Onana qui est titulaire. Mais quand on sait que le football, ça va vite, à tout moment, on peut avoir affaire à une blessure ou une suspension d'André Onana, et qui de mieux que Fabrice Onana pour le suppléer. Fabrice Ondoa, merci. Okay. Monsieur, on lève, transition, et derrière on parle de la scabreuse affaire de la Dynamo de Douala. Et on parle de la Dynamo de Douala, la Dynamo de Douala qui est dans une tourmente, et il y a eu justement cette séance de travail du comité de Sahas qui s'est réuni il y a quelques jours et qui a pris la décision justement de suspendre au gré Chico Yetna pour un certain nombre de manquements, dont entre autres le fait de ne pas s'engager en Coupe du Cameroun ou bien de s'engager plus tard avec un nombre réduit de joueurs dans cette Coupe du Cameroun considérée comme très prestigieuse par la Dynamo de Douala. Et on a le bonheur de vous avoir, Bernard Malabo. Est-ce que vous avez été notifié par le comité de sages en ce qui concerne la décision, la suspension? La suspension, ouais. Oui, mais je crois que n'avait pas qualité de faire cela. On parle de la qualité plus tard. Oui. Mais est-ce que vous avez été notifié? Est-ce que au gré Chico Yetna, qui était encore la présidente, a été notifié par la note du comité de sages de la Dynamo de Douala qui suspend justement en tant que présidente de la Dynamo de Douala? Déjà, Madame Audrey n'étant pas au Cameroun, à quel moment elle a été notifiée? Puisqu'elle n'est pas au Cameroun, et la décision est sortie il y a, je crois, 2 jours. Elle n'est pas au Cameroun, ça fait plus de 8 jours. Donc, c'est une impossibilité qu'elle soit notifiée. Est-ce que vous vous reconnaissez dans toutes les griefs émis justement par le comité de sages vis-à-vis de l'administration de Ogriedna? Non, je crois que le comité de sages n'a pas n'a pas aimé ce qui est bien. Pourquoi? Parce que depuis que Mme Audrey a pris la tête de la Dynamo de Douala le 7 mai, il y a eu un changement. Un changement avec une manière de gérer l'équipe que Dynamo n'avait pas encore eue. Sincèrement, je suis dans la Dynamo, ça fait une vingtaine d'années. Mais en peu de temps, ce que j'ai vécu, ça reste à moi une image inoubliable. Parce que cette dame, elle est positive. Elle veut faire avancer l'équipe. Elle veut arranger l'équipe. Mais vraiment, toujours est-il dit que celui qui veut apporter quelque chose de meilleur, on veut l'empêcher à travailler normalement et tranquillement. Ok. Monsieur, je commence par vous, Franck Eric Ndifo. On se rappelle justement que ce congrès qui s'est tenu à Dordogne il y a quelques mois par là, on a affirmer que c'était le congrès de la Renaissance, c'était le congrès de la paix, c'était terminer l'âge des guerres, et que désormais on regardait à l'unisson au sein de la Dynamo de Douala. Est-ce que vous avez été surpris quand justement le comité de sages s'est prononcé sur la suspension de Ogré Chico Yetna? Non, je n'ai pas été surpris. Je n'ai pas été surpris. Pourquoi? Pas parce que le comité de sages a raison. Je n'ai pas été surpris parce que je m'attendais à ça. Il y a quelques semaines, quand on a annoncé le montant des nouvelles subventions pour les clubs pour la saison à venir, je me suis dit les clubs de canton auront des problèmes. Ça n'a pas fait 2 semaines, la Dynamo m'a donné raison. Pourquoi? Vous avez à l'entame de la question que vous me posez, dit quelque chose de primordial. Il y a quelques mois, nous étions en Tchoukball pour le congrès, l'Assemblée générale, qui a porté Audrey Chico à la tête de la Dynamo de Douala. Ce n'est pas le conseil des sages qui a porté Audrey Chico à la tête de la Dynamo. Ce conseil n'a pas de qualité pour la démettre de ses fonctions. On vous parle du conseil de sages, de la Dynamo de Douala. Le conseil de sages à la Dynamo. Je peux me tromper. Le conseil des sages n'est qu'une commission honorifique. Statutairement parlant, le conseil des sages n'a pas Qui n'a pas le droit de prendre une décision? Il ne peut pas prendre des décisions. Qui peut prendre les décisions à la Dynamo de Douala? C'est le comité exécutif, le conseil d'administration, dirigé aujourd'hui par Mme Chico, ou alors l'Assemblée générale de la Dynamo de Douala. Cette Assemblée générale n'a pas été convoquée, elle ne s'est jamais regroupée. Okay. Le conseil d'administration encore pouvait suspendre Audrey, qu'on aurait peut-être parlé d'une question de fond. Le comité des sages n'est qu'un comité qui a été qui n'est mis sur pied que pour permettre. Qui propose des idées. Donc, permettez-moi, à ces vieux, à ces anciens de la Dynamo, d'avoir de la reconnaissance par cette équipe. C'est pour ça qu'on parle d'un conseil des sages. Ils sont là parce qu'on estime que ce sont des sages. Ils peuvent apporter des idées sur ce qui est fait. Mais malheureusement, on sait depuis des années, à la Dynamo de Douala principalement, comme dans certains clubs, que le conseil des sages est un gouffre pour beaucoup de présidents de clubs. Un gouffre parce que le conseil des sages est installé et espère mettre à la tête, ou alors porter à la tête de l'équipe, un béni oui-oui. On rappelle justement, je ne vous coupe pas, que c'est Maître Bateki qui était déjà justement délégué avec Audrey Chico Yetna. Maître Bateki qui était l'adversaire de Audrey Yetna. Mais après le consensus... qui a décidé de s'aligner derrière Mme Chico. Après le consensus, ils ont décidé de travailler ensemble. Ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. Mais là, il a été porté à la tête de la Dynamo de Douala. Par qui? Par le comité des sages. Le comité des sages n'a pas qualité. C'est même une surprise qu'on parle de cette affaire. Je vais vous dire, le conseil des sages aujourd'hui à la Dynamo, c'est un conseil je ne vais pas dire de vieillot ou de vieillard, qui espère qu'on mettra à la tête de la Dynamo une personne qui viendra et chaque fois que les fonds arrivent... On va rester poli. Permettez-moi. On va rester poli. Mathieu Fangor, vous m'avez posé une question. Si après, je ne peux pas répondre. Allez-y. Mais je vous permets, je vous demande d'être poli vis-à-vis du conseil des sages. C'est pour permettre à beaucoup de comprendre le problème de fond de ce conseil des sages. Madame Chico n'est pas celle-là qui viendra prendre l'argent, les subventions de la Dynamo pour aller remettre à ses membres qui constituent le conseil des sages. Donc pour eux, c'est un problème. C'est ça qui lui est reproché? Dans le fond, c'est ça le problème. Les griefs que vous allez citer là, ce conseil des sages, quand ils font des griefs à Madame Chico, est-ce qu'ils connaissent l'administration de la Dynamo? Est-ce qu'ils ont le cahier de compte de la Dynamo de Douala? Beaucoup d'entre eux étaient censés verser de l'argent. Je pense qu'une seule personne dans ce conseil a versé 500 000 francs. Mais tous veulent avoir le droit de regard sur un argent. Ils ne sont pas le conseil d'administration, ils ne sont pas l'Assemblée générale. Elle n'a véritablement pas de compte à rendre à ce conseil des sages. Le conseil des sages aujourd'hui se retrouve bloqué, comme ça a été le cas à un moment avec Mme Dinali. Permettez qu'on fasse un tout petit peu cette transposition. Et parce qu'on sait qu'on ne peut pas manipuler Mme Chico, il faut la mettre à côté pour mettre une personne qui sera malléable. Quelqu'un qu'on va manipuler et qu'on pourra utiliser au fin du seul conseil des sages, mais malheureusement au détriment de l'équipe Dynamo de Douala. Je pense que le directeur parlait de quelque chose. On a vu des images de la Dynamo de Douala qui faisaient rêver. Quelque chose qu'on ne voyait pas forcément en club. Quelque chose qu'on ne voyait pas forcément avec la Dynamo de Douala. Des joueurs qui étaient tout souris, qui étaient bien vêtus, qui voyageaient bien, dans de très bonnes conditions, qui étaient logés dans des conditions super pour aller disputer des matchs. On parle de la Coupe du Cameroun. À l'approche de la Coupe du Cameroun, tous ceux qui étaient censés verser l'argent à la Dynamo pour permettre à la Dynamo de fonctionner l'année n'ont rien versé. Elle n'a pas pu le supporter. Elle a pris une décision. Elle est la présidente du conseil. Vous laissez que son mandat finisse. Et à la fin, vous allez lui faire des reproches. Est-ce qu'il y a eu des promesses non tenues, M. Malabo? Absolument, puisque il était question que chaque membre du comité exécutif devait apporter sa modeste contribution de 500 000. Mais à nos jours, je crois, si j'ai bonne mémoire, il y a 5 sur 25 membres qui ont versé 500 000. Et ils ne font pas partie du conseil des sages. Est-ce que vos problèmes ont commencé justement quand le président de la fédération a annoncé l'arrivée et le montant de la subvention? Je vais d'abord vous rappeler que la dernière subvention, dès que la présidente a pris la tête de la Dynamo, elle n'a pas perçu ça. Elle a demandé à la fédération de garder cet argent. Dynamo a tourné avec ses propres fonds, les fonds de la présidente actuelle. Donc, la question de voir, de savoir que les gens qui veulent venir de suspendre Mme Odechiko en parlant qu'elle a, elle a mal fonctionné avec les fonds. C'est ses propres fonds. Elle, jusqu'à l'heure actuelle, l'argent de Dynamo qui était prévu, les 6 derniers millions qu'on devait donner à Dynamo, reste à la fédération. Le temps qu'elle va s'organiser pour essayer de faire encaisser cette part à Dynamo. Donc elle a préféré garder sa barre pour faire tourner Dynamo. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Léon Rézier, quand on écoute les uns et les autres et quand on écoute le directeur sportif, on se rend compte que on en vit subit que c'est de l'incompréhension. Même si la subvention aiguise les appétits, et davantage oblige les uns et les autres, justement à avoir d'autres visées, d'autres pensées vis-à-vis de la Dynamo. Non, il n'y a pas d'incompréhension, Mathieu Fangoua. Il y a des gens qui ont un rôle précis, qui ont des ambitions ou des objectifs précis. Et il y a quelqu'un qui voit autrement. Je pense qu'aujourd'hui, quand on dit comité de sages, c'est ces gens-là qui sont allés chercher Madame Audrey Chico pour leur dire, voilà, on a notre club du village. Le club où tu cotises souvent un peu d'argent, là, maintenant vient prendre les choses en main. On voit que c'est une femme d'affaires prospère, c'est une femme qui a de la pointe, tout le monde la connaît dans le milieu des affaires. On se dit, bon, voilà une sœur qui peut nous aider. Maintenant qu'elle vient aider, les gens se rendent compte qu'ils sont maintenant en, en minorité. En minorité, ils sont inconfortables, ils n'ont plus les coudées franches comme avant, et ils décident aussi de l'enlever. Mais si on veut reprocher quelque chose à Audrey Chico, on peut lui reprocher quoi? On peut lui reprocher d'avoir pu faire que la Dynamo ait un siège. On lui reproche d'avoir maintenu la Dynamo en deuxième division. On lui reproche de donner des équipements, de donner des conditions. Donc, en Ligue 2, pardon? En Ligue 2, oui. Donc de faire tout ce qui est bien, en fait, c'est ce qu'on lui reproche. En gros, il fallait qu'elle laisse la Dynamo sombrer, que les gars se partagent les petites miettes de la Fecafoot, et là, ça allait aller. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter avec ces anciennes façons de faire. Comité de stage, oui, mais quel est l'apport de ces comités de stage-là? C'est ces comités de stage-là qui détruisent tous les clubs de canton aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, le football, c'est autre chose que ces équipes-là où on a besoin des gens à la mi-temps qui viennent gronder les joueurs ou qui viennent dire des choses. On a besoin... c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de migrer les clubs vers des sociétés. Parce que si vous êtes... Oui, vous venez mettre de l'argent dans le club et maintenant vous pouvez parler au nom du club. Mais vous ne pouvez pas... Parce que vous avez des actions. Oui, vous ne pouvez pas au nom de que un jour vous avez porté 2 sacs de la Dynamo, au nom de que vous avez joué un jour un match amical avec la Dynamo, vous devenez sage subitement. Non, c'est pas parce qu'on a les cheveux blancs qu'on est sage. Vous pouvez avoir été con et vous vieillissez. Les cons ne meurent pas tous à 15 ans. Donc... tous ces gens-là, c'est des gens qui n'aiment pas, en fait, ce qui est bien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour tout le monde, on n'a pas besoin d'avoir un camp. J'ai entendu la faction Audrey Chico ou faction quoi. On n'a pas besoin d'avoir un camp pour voir que c'est quelque chose qu'on n'a pas écouté depuis au sein de la Dynamo. C'est mal fait, que ce soit la décision. On ne peut pas, pendant que quelqu'un dirige un club, et qu'elle n'est pas là, vous décidez. La Dynamo a un siège. Pourquoi le Conseil des sages n'a pas tenu sa réunion au siège de la Dynamo? Ça veut dire que c'est déjà une réunion, entre parenthèses, clandestine. Maintenant, on peut encore leur concéder qu'il y a des remous, mais vous vous réunissez. Audrey Chico n'est pas une étrangère, c'est votre fille. C'est vous qui avez appelé à ce qu'elle vienne à la tête de la Dynamo. Si M. Bateki était tellement la personne... adéquate, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. Okay. Moi, je ne comprends pas beaucoup. Hein. Peut-être, il va falloir avoir les cheveux blancs pour comprendre ces choses. Mais moi, je pense que c'est les gens qui n'aiment pas le football. Vous n'êtes pas un membre du Conseil des sages. Si, Mathieu, vous allez honnêtement interroger les footballeurs. J'ai un neveu qui joue à la Dynamo. Si vous allez interroger les footballeurs, aucun footballeur ne va vous dire qu'il est content de la situation. Tous les footballeurs ont chanté les louanges de Mme Chico quand elle est arrivée parce qu'il y a eu un changement. Je pense que l'aîné l'a dit ici. Il y a des changements qui se sont fait ressentir au niveau du football, au niveau des joueurs. Donc on ne peut pas se lever un matin parce que quelqu'un a bien fait les choses, on décide de la suspendre. Je pense que c'est mal fait et j'espère que statutairement, ces gens-là n'ont pas qualité de la suspendre et qu'elle va continuer la mission qu'elle veut pour la Dynamo de Douala parce qu'elle a engagé beaucoup de choses. Je pense même que si elle est hors du Cameroun aujourd'hui, c'est pour chercher, entre parenthèses, de l'argent pour la Dynamo parce que, comme le sage l'a dit aujourd'hui, elle avait notifié la Fédération Camerounaise de football. Je pense que la correspondance est dans les réseaux sociaux pour dire qu'elle n'a pas encore trouver le modèle économique ou le plan pour redistribuer cet argent. Donc il vaut mieux que l'argent reste dans les caisses de la fédération en attendant qu'on puisse trouver comment est-ce qu'on va gérer cet argent. Mr. Malabo, là, la saison vient de s'achever. Si vous n'avez pas encore été notifié justement par la note du Conseil des sages, ça veut dire que vous préparez la saison prochaine. Oui, mais déjà, je suis le directeur sportif. Ouais. Sur le plan de la préparation de la saison, tout est fait. Il y a des recrutements qui se font. Dynamo actuellement est affilié à la Fédération Camerounaise de football. C'est moi qui ai payé cette affiliation par le biais de la présidente générale qui a donné les fonds pour que Dynamo soit affilié. Je veux vous rappeler que s'il fallait parler du Conseil des sages, moi-même je dois faire partie du Conseil des sages parce que je suis un ancien président. J'ai été régulièrement président de la Dynamo de Douala pendant une très grande période. Et les périodes troubles. Je ne veux pas parler de mon passé parce que mon passé parle de beaucoup de choses. Tous ces anciens présidents, j'ai leur dossier à main ici. Qui n'a pas fauté parmi eux? Si je n'étais pas... Le dossier, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que si je n'étais pas dans Dynamo, Dynamo devait ne plus exister aujourd'hui. Sincèrement, je vous parle avec... Certains ont milité contre la Dynamo? Si, les décisions ont pris des décisions qui n'ont pas été favorables à la Dynamo de Douala. Mais le bon Dieu m'a permis d'avoir le courage et la force de contrecarrer ces gens. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les mêmes personnes qui perturbent Dynamo seraient ceux dans l'ombre pour essayer de continuer à faire la même chose. On va sortir justement Franck Eric Ndifo, Léon Rézier, 30 secondes chacun. Est-ce que là, les vieux démons de la division ne sont pas de retour? Ça, c'est clair que les vieux démons sont de retour. Après, ce sera à Mme Chico de complètement faire migrer la Dynamo de Douala en société. Et je pense qu'une fois... Mais elle doit avoir les mains libres. Là, elle est d'abord suspendue. Elle est suspendue par qui? Mathieu, c'est impossible que le Conseil des sages aujourd'hui vienne démettre Mme Audrey Chico de ses fonctions de président de la Dynamo. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas de la Dynamo de Douala. Je n'ai peut-être pas les textes de la Dynamo, mais je crois que les textes sont quasiment les mêmes pour tous les clubs. Je demande à voir ce miracle. Via l'Assemblée générale. Je demande à voir ce miracle. La seule façon pour Mme Chico aujourd'hui de partir, c'est d'être exaspérée par les imbécilités aujourd'hui que réalise ce Conseil des sages. Et de claquer la porte. Mais le Conseil des sages ne peut pas se lever aujourd'hui lui demander de partir. Et elle part, c'est écrit nulle part. Il faudra une assemblée générale ou il faudra un conseil d'administration pour la démettre de ses fonctions. Et jusqu'à preuve de contraire, le Conseil des sages ne fait pas partie du conseil d'administration. Le grand foyer, le président l'a d'ailleurs dit. Et très peu dans ce Conseil des sages ont pu contribuer là-bas au conseil d'administration, même s'il faut encore réunir. On va peut-être réunir avec les 5 personnes qui ont payé les 500 000 parce que c'est pas parce que nous sommes 25 au conseil d'administration. Sur une saison, vous ne versez pas ce qui vous est réclamé. Vous n'êtes plus membre du conseil d'administration. De facto, après n'avoir pas payé cela, vous n'êtes plus membre de ce conseil d'administration. Les 5 qui ont payé sont certainement satisfaits de sa gestion. Donc pour le moment, rassurez-vous, je suis convaincu que Mme Chico reviendra au Cameroun, travaillera comme le président l'a d'ailleurs dit pour que la Dynamo puisse entamer de la meilleure des façons sa saison prochaine. Léon reçu la Dynamo, comment faire pour sortir? Non, je pense aujourd'hui, Mathieu, qu'on a un exécutif dynamique à la tête de la Fédération Camerounaise de football qui n'est pas étranger, qui n'est pas très étranger aux problèmes de la Dynamo de Douala. Je pense donc qu'on saura résoudre ces problèmes-là. La Fédération Camerounaise saura résoudre ces problèmes-là, puisqu'aujourd'hui, le seul interlocuteur entre la Fédération Camerounaise de football et la Dynamo de Douala, c'est Mme Chico qui est reconnue jusque-là comme la présidente. Donc, il va falloir que le comité des sages, je ne sais pas, démontre qu'il a qualité de démettre cette présidente qui reste la seule courroie de transition entre la Dynamo et la Fédération Camerounaise de football. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de doute que la Fédération, la FECAFoot, va prendre ce problème à bras le corps et va résoudre ce problème parce qu'il y a derrière ce problème, il n'y a pas que la Dynamo. Il y a beaucoup de clubs, dits des clubs mythiques ou des clubs de canton, qui souffrent de ces problèmes de comité de sages-là. Et à la fin, c'est les footballeurs, ceux pour qui le président Samuel Eto'o bagarre aujourd'hui à donner des meilleures conditions. Ce sont eux qui souffrent aujourd'hui parce que s'il y a un gros vide aujourd'hui à la tête de la Dynamo aussi, pendant que les gens se bagarrent, c'est les footballeurs qui n'auront pas de salaire, qui ne pourront pas s'entraîner, donc qui ne seront pas payés. Et voilà comment on met à mal un projet qui est pensé depuis la tête par le président Samuel Eto'o. Merci, monsieur. Et en transition, et derrière, on parle du Tchoukball, cette discipline, qu'on en saura un peu plus derrière la transition. Tchoukball. On dit Tchoukball. Tchoukball. Ouais. Qu'est-ce que c'est le Tchoukball? On rappelle justement que vous êtes Aounan Tabekou Jean-Paul, président, coach et arbitre national et international de Tchoukball. Première question toute triviale, qu'est-ce que c'est le Tchoukball? D'accord, merci de ce privilège que vous m'accordez. Je vais dire, avant de présenter le Tchoukball, je dois présenter le moteur du Tchoukball camerounais. En fait, le président national, le docteur Jean-Francis Gouadé, qui est aussi le premier vice-président de la Confédération africaine de Tchoukball. Et à côté, nous avons le coordonnateur du centre, M. Onguene Magloire, et le coordonnateur du littoral, M. Ngon-Charles Edmond. Alors, c'est quoi le Tchoukball? C'est un sport qui se pratique au Cameroun depuis 13 années déjà, et que le Cameroun est 2 fois champion d'Afrique chez les hommes, et 1 fois champion d'Afrique chez les dames. Et je sors fraîchement de l'Ouganda où le Cameroun était 2e. Ouais, on a les images. J'étais vice-champion d'Afrique pour la participation du championnat de Tchoukball en Ouganda. Alors le Tchoukball, c'est une discipline qui se pratique sur un terrain de 26 à 29 mètres de long, de 15 à 17 mètres de large, et on a 2 cadres qu'on appelle les trampolines. C'est un sport sans contact, c'est-à-dire tout le monde peut déjà pratiquer, et c'est surtout ça la saveur, la saveur et la passion de cette discipline. Alors, je vais continuer en vous disant que... Au foot, pour jouer au foot, on a besoin d'un ballon, on a besoin d'une paire de godasses. Qu'est-ce qu'il faut pour pratiquer le tchoukball? Alors, pour pratiquer le tchoukball, je vais également vous dire que le tchoukball regroupe 3 disciplines. Le handball, le volleyball et le basketball. Vous le saviez, monsieur? Je rappelle qu'en face de vous, 2 journalistes. Franck Eric Ndifo. Vous savez, on découvre toujours pour la première fois, mais vous conviendrez avec moi que le Cameroun est 2 fois champion d'Afrique, avec les médailles en or, avec les trophées. En 2016 au Kenya et en 2018 en Ouganda. Donc, vous pouvez comprendre que aujourd'hui, Canal 2 et les autres médias font partie intégrante du tchoukball. Donc, je vous invite à découvrir et pourquoi pas à pratiquer comme On le pratique sur quelle surface et quelles sont les règles? Je viens de vous donner les surfaces. J'ai dit sur un stade de 26 à 29 mètres de long et, de 15 à 17 mètres de large. Un peu comme un stade de handball. Y a-t-il des remises en jeu, corner? On a des règles. Le principe de tchoukball, c'est que on doit jouer sur la règle de 3. On ne doit pas faire plus de 3 passes avant on ne doit pas faire plus de 3 passes avant d'aller au tir. Et aller au tir, c'est tirer la balle sur les trampolines et que l'adversaire défend sur le terrain sans que la balle ne touche le sol. C'est ce qu'on appelle le point au tchoukball, qui est communément appelé le but. Pour les a les yeux qui brillent. Après cela, on ne doit pas faire plus de 3 secondes avec le ballon. Et la tenue, vous devez avoir des tennis avec un peu d'épaisseur comme chez les basketteurs. Et vous ne devez pas traîner, vous ne devez pas garder la balle à plus de 3 secondes. Et c'est un sport qui développe beaucoup l'intellect. C'est-à-dire, en pratiquant le tchoukball, vous développez plus de capacités à travailler en hauteur et même à chasser la peur. Donc, aujourd'hui... Un peu comme Thomas Pasquier. Bon, ça... Donc, pour continuer, c'est un sport qui se pratique au Cameroun, comme je l'ai dit, depuis 13 années. Ouais. Et à Yaoundé, on pratique les hommes et les dames. À Douala, on pratique les hommes et les dames. Je suis président de club, comme vous avez dit au début, de Bonamou Sadi Tchoukball Club. J'ai mon coéquipier qui est président de New Bell Tchoukball Club. D'où la question, où à Douala ou à Yaoundé, où est-ce qu'on peut pratiquer du tchoukball? À Douala, à Yaoundé. À tout hasard, par exemple, Franck Eric Ndifo, Léon Rézier, si on dit, bon, là, on s'inscrit au tchoukball, on va où? S'il faut s'inscrire au tchoukball dans l'immédiat, je suis sur votre plateau, je suis président de club, je suis arbitre national et international. où je viens de passer encore le concours avec plusieurs d'autres Camerounais, okay, de réussir le concours. Toujours pour la vulgarisation de la discipline. Toujours pour la vulgarisation de la discipline. Toujours, il y a eu plus de 5 coachs. Et quand je parle de coachs, c'est national et international, parce qu'il y a des formations sur le plan national aussi qui sont également organisées. Et par la suite, nous entraînons, nous formons tout jeune Camerounais. Donc, si vous voulez pratiquer le Tchoukball, c'est simple. Vous avez, au niveau de Douala, vous avez un club à Bonamoussadi, au stade de Sawalan. Vous avez un club à New Bell qui s'appelle New Generation, le club de New Bell, juste en face de la prison centrale. À Yaoundé, vous avez le collège Vogt. Le Tchoukball se pratique aussi au collège Vogt. Vous avez également la vallée où le Tchoukball se pratique. Et toutes nos activités ou notre planning d'activités annuelles. Vous allez voir la Coupe du Cameroun qui se joue dans 1 mois et demi au palais des sports de Yaoundé. Tous les pôles seront concentrés. Alors, notre objectif pour continuer, ouais, c'est de pouvoir élargir la promotion et que dans les jours à venir, que le Tchoukball se pratique sur toute l'étendue nationale. Et c'est un travail que le président national, le docteur Jean-Francis Guadet et les coordonnateurs sont en train de travailler jour et nuit pour que nous arrivons à développer sur tout l'étendue du territoire national de Tchoukball. Monsieur, on va sortir, mais Léon, en 30 secondes, vous voyez qu'il n'y a pas que le foot. Oui, il n'y a pas que le foot, on découvre chaque jour, c'est vrai que j'ai envie de demander à vous. Une précision, le Cameroun est qualifié pour la Coupe du Monde en 2023. Notamment, pour l'instant, c'est en République tchèque. Et les dames aussi. Ça veut dire, dans le monde de Tchoukball, les premiers, les champions et les vices sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2023. Donc vous conviendrez avec moi que au-delà du foot, de tout le développement qui se passe, le Tchoukball également porte le vert ou jaune et au plus haut niveau. Merci monsieur d'être passé par ici parce que la réalisation nous fait de grands signes. Merci Franck. Merci infiniment. Et à très bientôt. Merci Léon. Merci aussi. On nous a appris justement que vous êtes dans un nouveau projet. On en reparle très bientôt sur les antennes du Canal 2 International. Merci, Mr. Juste un petit mot. On n'a pas le temps, vraiment. Je voudrais attirer l'attention du peuple Bassa-Batimpo. Aujourd'hui, nous avions à la tête de la Dynamo Madame Audrey Chico, qui, ma foi, a un mandat de 4 ans qu'on essaie de la laisser fonctionner, mettre sur pied ce qu'elle a prévu de faire pour Dynamo. C'est une supplication que je suis en train de... Merci, monsieur. Président, merci d'être passé par ici. Merci aux médias, merci au pouvoir public et merci à toutes les personnes qui accompagnent le Tchoukball. Madame, monsieur, merci de nous avoir regardés. On dit merci à Jean qui était présent justement durant ce mois où nous avons produit ensemble. On s'est énormément amusé. Dès lundi prochain, retrouvez Mac-Lionel Chouamo à la présentation justement du débrief. À très bientôt sur les antennes de Canal 2 International. Bye bye.